Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur le Sinistro 3. C'est parti, va à la boutique de BD. C'est pas très loin, mais je m'en fous. Je pars avec mon ftol. En plus, on a vu que on pouvait lâcher les véhicules comme ça dans le vide. Ah, putain! On va éviter de se planter dès le départ, hein. Voilà, on se met là. Ça va rendre les déplacements un peu plus supportables. Et on saute en parachute, let's go! Voilà! Ah, regarde, mon ftol, il s'est posé tout seul! Royal! On dirait que je l'ai garé et tout! Well, look, Pierce can read. Girl, I ain't gotta explain myself to you. Stag is using Nightblade as their mascot. We snatched a punk, and we draw out Stag. Set it up right, we get the drop on those motherfuckers. Excuse me? Can you sign this? The fuck is this? Dude, it's Johnny's comic. He sold his likeness to Ultor. They're making a movie out of this shit. Remind me to call Legal Lee about this. Thank you. All right, so how do we find Burke? The chump could be anywhere. Look, we laid a right bait, he'll come to us. That's why I need you and the new girl. My name's Viola. Your name's the bloody Canoness. You can't be serious. Works for me. Ils sont stylés, les petits comics, hein. Faut que je lui mette, moi, ça fait longtemps que je dis ça, mais il faut que je lui mette aux comics. Oh putain, d'accord, elle s'est cosplay. Ouh, pas mal, hein, joli. Attends, est-ce que je peux me marier avec mon petit ftol là qui s'est posé? Mais oui, carrément, elle monte avec moi en plus. Allez, let's go. Wow, attends. Ok, il y avait les câbles qui me gênaient. Allez, à fond les ballons. He's probably practicing on camera already. You that serious about his work? No, he's that in love with himself. Well, and Shandi. The point is, he'll be there. Du coup, ouais, j'ai un super site pour lire, pour aider des comics, mais bon, après, c'est full en anglais, quoi. C'est vrai qu'en termes de confort de lecture, c'est, je comprends, hein, mais c'est, voilà, c'est moins bien que si c'était traduit en français. Après, c'est vrai que les comics, c'est beaucoup moins populaire que les mangas, par exemple, chez nous. Est-ce que tu peux descendre comme moi, là, ou... Ouais, c'est bon. Elle a sauté en même temps. Réanime ton pote. Ah oui, mais si elle est conne, par contre, comment on fait? Genre, la meuf a sauté, mais elle a pas activé le parachute. Et j'adore, mais le ftol, il est incroyable. Et vraiment, il se pose tout seul. C'est trop bien. Allez, relève-toi. On a des choses à faire. We're here for the Nightblade shoot. Yeah, go in. Not gonna lie, but this whole thing was a stunt for Pierce to see your tits, but it's actually working. I don't care if it works or not. I'm not making going out like this a habit. See, you're already making nun jokes. I knew you'd get into this. I hate you. D'accord, bah vous voulez pas monter dans l'ascenseur. Tac. I'm Nightblade. I have no fear. I will save Marion. I will destroy Mr. X. Hey, you guys want to do some warm-ups before we shoot? You look familiar. Really? Let's get out of here. Very subtle. I know, I just really... Attends, mais ils sont pas bronchés eux? Oh, ok, d'accord, oui, si, ça bronche quand même, ça aurait été trop bizarre. Is he gonna be all right? He'll be fine. He just can't take a punch for shit. And if he isn't? Then I've done the world a favor. Oh, mais ils font des dégâts de fou eux.
Mais wesh! Oh, les dégâts de dingue! Ok, 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 je peux pas m'y prendre comme ça, j'ai compris. Très bien. Ah, je reprends là en plus. Un plaisir. Je peux passer ça? Ah, ça se passe pas les cinématiques dans ce jeu? Ah, si, voilà. I know, I just really wanted to punch him. What's going on? Oh, mais tu tombes trop, c'est pas vrai. He'll be fine. He just can't take a punch for shit. And if he isn't, then I've done the world a favor. Oh, are we rolling? T'es pas ça, wesh. Oh là là, il faut mourir. Arrêtez de faire des ennemis tanks, je vous en supplie, dans les shooters, arrêtez de faire ça. Madame, vous sortez de quel tournage là? C'est bizarre un peu. Oh, regarde tous les petits points rouges sur l'écran. Wow. Et tu te dis, il faut vider un chargeur pour chaque merde là? Non, c'est pas possible. Faut que je trouve un moyen pour rusher là. Comment ça j'abandonne un disciple? Mais il fait quoi le disciple là? Mais non, mais je vais mourir parce qu'elle est conne. Oh. Wesh. Pourquoi? Non mais là je suis deg, j'avais littéralement réussi à me rendre à l'ascenseur. Ah putain. Attends, on va rester un peu là et on va comprendre ce que fait la meuf. Parce qu'elle fait forcément un truc, c'est pas possible. Non, elle fait rien. Il est pas mort. C'est bon, elle me suit là? Viens s'il te plaît. Arrête, arrête de faire de la merde. Ok, là c'est pas considéré comme de l'abandon, j'avoue que je comprends pas pourquoi pourquoi ils m'ont fait chier la première fois, mais... Non, c'est trop de pas mourir. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je vais crever. Putain, mais c'est pas possible. Arrêtez de... C'est pas des ennemis, c'est des murs, wesh. C'est trop de faire ça. Vas-y, hein, c'est pas, on va vider nos chargeurs. Voilà. Pas moyen de se baisser en plus, hein, non. Que j'y arrive pas. Même là, je vais crever. Mais je suis mort. Mais baisse-toi, fais un truc. Putain, mais c'est pas possible.
Comment je vais me sortir de cette merde? On va essayer de rusher, hein. Oh, les dégâts, mais les dégâts! Wow! Perso, il a nos clips! Il a décollé, ouais, j'étais de manger, il a pris cher. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Vraiment, ils ont pété un câble. Quelle idée de faire des ennemis aussi tank. Attends, quoi? Oh, le bug. Mais c'est eux qui m'attendent. Mais regarde, je me fais atomiser, mais fais un truc, lâche-le! Lâche, fils de pute, là! Je peux pas le lâcher. Je peux rien faire? Je peux rien faire! Je peux pas me mettre à couvert, j'ai le gars, il est sur moi, du coup je perds en vitesse. Non mais c'est quoi ces conneries? Comment je me débrouille là en fait? Vous avez pété un câble? Fais des petits pas de côté, je sais pas. Oh là là, la précision inexistante de cette arme. Si seulement je pouvais comprendre ce que représente cette jauge jaune là, qui à mon avis est du bullet time, mais je sais pas comment m'en servir. Putain, eh, ça rend fou. Je vais passer le jeu en facile si c'est possible, parce que là c'est n'importe quoi, ils ont pété les plombs. Et puis la difficulté du jeu, ça devient vraiment juste... Oh là là, les ennemis, ils ont plein d'HP, plein de dégâts, c'est de la grosse merde. Faut commencer à apprendre à faire des jeux bien difficiles, genre pas avec une difficulté artificielle de merde comme ça, là. Voilà, peut-être que maintenant, ça va me permettre de rusher, même. Oh non, il y a trop d'ennemis. Quoi cette folie là? Ouais, la vie elle remonte super vite par contre, ça c'est bien. Oh là là là. Oh, je suis tellement content d'avoir mis le jeu en facile. Il y avait tellement d'ennemis, frère. Get Burke in the car, let's go. Ils ont pété les plombs, hein. What now? Keep him quiet while we get back to the crib. And if he wakes up? You're the bloody canonist. You'll think of something. I'm killing Pierce. Ah merde. Qu'est-ce qu'il veut lui? C'est quoi cet agent infiltré des Stag là dans sa voiture civile? Il m'a plus fait chier que tous les autres. Check the bodies. Get me Monica Hughes. They have Burke. What? Well, find him, goddammit. I assure you, ma'am. We'll get him back.
Ok. Petit 11 000 $. De plus de respect. Un costume qu'on mettra pas. Bon, au moins, il n'y a plus l'émission. Enfin, pour l'instant, je vais pas me... Comment dire, je vais pas me porter la poisse. J'allais dire, il n'y a plus les missions, tu sais, qui sont des missions secondaires en fait. La foire au stag. A mon avis, tu vois, live avec Killbane. Ah non, live avec Killbane, hein, ça peut pas être un truc secondaire. Cyberflamme, je sais pas par contre. Put the gun down. I won't run. Yeah, I'm good. I felt that the moment we met. That connection. What? Forbidden love. Oh my god, can I just shoot this guy? Shandy, play nice now. You got the stuff, Pierce? Allow me, friend. You did that on purpose. All right. Let's go stag hunting. Je sens que leur running gag là avec les échecs il va durer longtemps. Ah, j'aurais bien pris le ftol par contre. Bon, pas cette fois apparemment. Jesus, I was just asking. Tween girls cried out in heartbreak as the rumor of Josh Burke's kidnapping spreads. The idolized actor who portrays the vigilante vampire Nightblade was reportedly forced out of the studio at gunpoint and thrown into the back of a vehicle. At this time, it is unclear if Burke is alive or dead. Support sites are popping up on the internet by the hour, begging those responsible to let the actor go, while opponents of the violence seen on the show are claiming this is karmic retribution. This is Jing Valarama with your Steelport celebrity gossip. Oh, these banners have to go on principle. A few Molotovs should do it. Comment il lance le molotov lui? Il fait une petite danse. Holy! Ah, j'ai raté, attends. Voilà. C'était tout? C'était ça la mission? Bah d'accord. Hein. Mais putain! Oh là là, comment je me suis coincé là? Voilà, c'est bon. Le strike. Ah, vite déclencher les bombes, mais elles sont où les bombes? Don't forget to shoot the car bombs. Ça là? Ouais, ça va être ça. Oh putain! Get the fuck out of here!
profiter du fait qu'on a un molotov infini dans cette mission. Voilà. Go help Viola. I'll watch this side for trouble. J'ai plus de roquettes par contre. Ça va être chaud, non? Comme ça. Tire sur une voiture piégée. Attends, si je fais comme ça. Ouais, yes. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils s'en battent les couilles. Ça se promène comme ça, ils ont pas l'impression que c'est la troisième guerre mondiale ici. Peut-être que je peux récupérer des munes de lance-roquettes, non? Ouais, yes, parfait. Ok, on va faire plusieurs allers-retours. Hein. Hop. Ah, quoi? J'ai pas d'autres balles? J'ai pas d'autres mines de lance-roquettes, là? Je suis dans la merde. Je suis dans une merde noire, là, on est d'accord. Comment je pète le tank sans ça? Molotov, ça marche? Un peu, on dirait. Ça fait un hit marker, quoi, mais non, le... non, ça prend pas de dégâts. Ça prend des dégâts? Non, ça prend pas de dégâts. Ah non, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas 36 solutions, faut me donner des balles là. Non, ça veut pas. Ok. Je vais chercher autre part peut-être. Des balles de snipe. Bah je sais pas. Je sais pas comment je le détruis ce tank sans lance-roquette. Je peux pas, je crois. Bon bah on va le bombarder hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Peut-être un point faible quelque part, je sais pas. Peut-être que ça c'est une voiture piégée. Non. Ah, y a pas moyen. Ça lui fait rien, frère. Mais c'est pas possible qu'ils aient aussi mal pensé leur mission. Wesh. Attends, et si je fais péter les véhicules à côté, peut-être que ça fait une réaction en chaîne.
faire ça là. C'est quoi, je me dis si je est-ce que j'ai le droit de descendre? Je vais essayer. Ah bah non, mais il y a carrément un mur invisible qui m'en empêche là. Ouais, il y a un mur invisible, ok. Bah super hein. Bien joué la mission les gars. Du coup, je vais certainement perdre 10 minutes sur ça hein. Voilà, je suis en train d'incendier les... Ah voilà. Je les ai fait péter mais... Attends, est-ce que j'arrive à mettre le molotov pile poil dessus? Ouais, mais ça fait pas grand chose. Je me colle à l'écran pour voir s'il y a au moins un pixel de vie qui part. Non mais ça fait rien. Oh putain mec. Oh. Pas marre de faire des jeux cons là comme ça. Ah ça y est, j'ai des munes. Alléluia. Je sais pas, il fallait attendre quoi pour avoir enfin des munes de lance-roquettes. Attends, on va les garder précieusement en vrai. Oh, j'ai plus de roquettes encore. Damn. Glad you came along when you did. Was it worth it? Hell yeah. Let's head up and I'll show you. Attends, je suis descendu pour faire l'aller-retour. Ok, non mais elle est bizarre cette mission. Viens là vite. It's a laser targeting system. Who wants to call down an airstrike? Pierce, gold star for you. Fuck right. C'est quoi ça? Ah, c'est ok, c'est une frappe aérienne, mais elle fonctionne différemment de l'autre. Ok. Pourquoi ça tire derrière? Je vise clairement ici. C'est le problème avec les jeux comme ça, ils savent pas quand s'arrêter en fait. Ça y est là. On a compris le concept je pense. Tu veux une frappe aérienne toi aussi? Ça marche sur ça ou pas? Safe.
D'accord, le Nord. Oui. Eh ben... Faut aimer shooter des trucs, hein. Syndicate for a while. Give you boys a little breathing room. How you want to play it? Alors, donne Josh à Shandy ou à Sirius. Ça fait quoi? Nightblade est un pote, aide les Stag pour le contrôle de la ville. On va faire de Nightblade un pote, je pense. Ça peut être marrant. Ah, mais elle veut même pas qu'on le garde. Non, on va le garder quand même. Prepare to open fire on the building. Excusez-moi. I got Burke. Just jump. Time to move our ass. Ah d'accord, du coup si je leur donne pas Josh, il pète ma suite. Ok, j'aurais peut-être repris en considération tout ça du coup. Congratulations are in order, Commander. Not quite. The Saints are still at large. I'm sending some intel over. I need leverage on the Saints. Bring in the target for questioning. They're going to run to ground. Digging them out won't be easy. If it were easy, I wouldn't waste your time. Understood, sir. I'll find her. Ok. Bon, bah du coup, j'ai perdu ma super villa. Avec l'héliport, avec le phtol dessus. Je savais pas du tout que ça allait faire ça, tant pis. Hein. Et voilà, j'ai Josh Burke en pote. D'ailleurs, je pense jamais à les appeler, les potes, au final. Quoique, quand tu fais mission principale, les potes, c'est automatique. Ah, et Nightblade aussi. On peut l'appeler en sa version personnage vampiresque avec des sabres, quoi. Ok. Alors, ils insistent encore sur le fait que j'ai de nouvelles améliorations. Qu'est-ce qu'on peut prendre de plus ? Capacité, ça on s'en fout clairement. Ça oui, voilà, ça c'est bien. Ok. Plus de munitions de fusil. Avec les mecs qui tankent 3 chargeurs là, on va en avoir besoin. C'est quoi ça, bonus ? Bonus respect ? Échange fric contre respect, je vous l'avais dit, le fric c'est forcément le meilleur truc. Le respect ça s'achète les gars. Ok, bon bah très bien, du coup on va se laisser là les amis pour cet épisode Sinsro. J'espère que vous avez passé un plutôt bon moment en ma compagnie sur celui-ci, et on se retrouve très vite. Ciao !